préparais cette prédication, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, ma demande est le nom de Jésus à quel mariage? Ce que moi j'ai besoin avec le nom de Jésus, ça a quelle affinité? J'ai compris une chose. La Bible dit dans Colossiens 2, nous avons tout en lui. Quand tu demandes en son nom, c'est comme si ta main entre dans son nom. Et ton nom et ta main prend tout ce qui est dans son nom. Continue à combiner Pésu au Nyonso. Deux. Il y a mis balai. Dans Philippiens. Amen. Frère, tous nos demandes ont des noms. Tout ce que nous allons demander ce soir aura un nom. Et s'il y a un nom, il y a des lettres. Et s'il y a des lettres, il y a un mystère qui est avec le nom de Jésus. Si ta demande commence avec la lettre 1, Jésus est la main. Si ta demande commence avec la lettre A, Jésus est la main. Yesu aza amen. Si ta demande commence avec la lettre B, Jésus est le bon berger. Yesu aza mo si ta demande commence avec la lettre C, Jésus est le Christ. Yesu aza si ta demande commence avec la lettre E, il est Emmanuel. Aza Emmanuel. Pourquoi je vous amène là-bas? Pour te montrer que tout ce que tu demanderas à son nom, il le fera. Ta demande commence avec la lettre F, il est le Fils de l'homme. Aza mwana na moto. Si ta demande commence avec la lettre G, il est le germe. Commence avec la lettre H. Oh, j'attends pas l'église d'être avec moi. Il est l'homme des douleurs. Si ta demande commence avec la lettre I, il est immortel. Si ta demande commence avec la lettre J, il est le juste. Si ta demande commence avec la lettre K, je pars en Angleterre, King of Kings. Si ta demande commence avec la lettre L, lion de la tribu de Juda. Si ta demande commence avec la lettre M, il est la manne cachée. Si ta demande commence avec la lettre N, Narcisse de Saron. Si ta demande commence avec la lettre O, B, il est la présence de Dieu. Si ta demande commence avec la lettre qui, c'est lui la quatrième personne dans la fournaise. Si ta demande commence avec la lettre R, roi des rois. Si ta demande commence avec la lettre S, sauveur et Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut crier encore Jésus? Ta demande commence avec la lettre T, témoin fidèle. Ok. Si ta demande commence avec la lettre U, unique. Si ta demande commence avec la lettre V, vainqueur. Si ta demande commence avec la lettre W, j'aimerais faire un virage aux États-Unis. Si ta demande commence avec la lettre X, ah, aujourd'hui tu vas aller vérifier le dictionnaire. Celui qui aime les étrangers. Tu étais congolais étranger, il t'a aimé. Tu étais moulouba étranger, il t'a aimé. Tu étais katangais étranger, il t'a aimé. Si ta demande commence avec la lettre Y, je rentre là où il est né, Yahweh. Ah oui. Si ta demande commence avec la lettre Z, j'aime mon pays, le Congo, na linga Congo fort. Ok. Congo la zanga kamalobate. Amen. Zenga mambo. Ah! C'est lui qui termine le problème. C'est toi. Jésus va terminer le problème de quelqu'un. C'est toi. Il va terminer le problème de quelqu'un. Demande en son nom, ton problème sera fini. Demande en son nom, ton problème sera terminé. Demande en son nom, ton problème sera terminé. Prie avec son nom. Invoque avec son nom. Appelle son nom. Benga désir avec son nom. Yo linga le problème. Likambo. Est-ce que l'église peut crier Jésus? Et qu'est-ce que tu gagnes à Yesu?